Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouvel abonnement que Fortnite a mis en place sur son jeu qui s'appelle le club de Fortnite. Alors cette offre coûte 12€. Par mois, à partir du 2 décembre, vous pourrez l'acheter dans la boutique Fortnite. Alors, je vous mettrai le lien en description et en commentaire si vous voulez en savoir plus. Bien entendu, je vais déjà vous dire ce que vous pouvez débloquer, vous dire ce que j'en ai compris. Alors déjà, si vous payez l'abonnement au club de Fortnite, vous aurez le pass de combat de la saison entière inclus. Donc, vous pourrez avoir le pass de combat de la saison 5, 6, 7, ça dépend quand vous acheterez le club de Fortnite. Dès que vous achetez le club de Fortnite, vous avez accès au pass de combat actuel à la date où vous l'achetez. Donc là, par exemple, vous l'achetez le 2 décembre, vous aurez le pass de combat de la saison 5. Donc bien entendu, vous aurez bien sûr 1000 V-Bucks gratuits chaque mois, donc si vous faites partie du club. Et vous recevez aussi les 1000 V-Bucks qui sont du pass de combat. Okay, donc ça vous fait 2000 V-Bucks, mais pour le premier mois. Après, le deuxième mois, vous recevrez que 1000 V-Bucks. Puis le troisième mois, 1000 V-Bucks jusqu'à la fin de la saison 5. Et puis la saison 6 commencera. Ensuite, vous serez dans le club de Fortnite. Et là, vous retoucherez 1000 V-Bucks par mois, plus les 1000 V-Bucks du pass de combat. Donc, voilà. Donc le premier mois, je trouve que c'est assez intéressant. Alors le deuxième, le troisième avantage, c'est que vous allez recevoir aussi le pack de combat club chaque mois. Donc là, le pack, c'est tout simplement ce skin là avec la pioche ici que vous voyez et le sac à dos, enfin la terre de Fortnite hein, que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc vous recevrez ce skin sera exclusif aux joueurs qui font partie du club de Fortnite, mais il n'apparaîtra pas dans la boutique. Et par contre, si par exemple je sais pas moi, dans quelques mois, donc dans 6 mois, 7 mois, c'est possible que vous puissiez obtenir ce skin là si vous faites partie du club de Fortnite, mais ils n'ont pas trop précisé comment, tu vois. Ici il y a la fac, ils l'ont précisé quelque part, ils ont dit que c'était possible de ravoir les skins exclusifs du pass de combat ultérieurement, ils n'ont pas dit plus. Alors j'ai lu un peu les informations. Il faut savoir que les V-Bucks que vous achetez, si par exemple vous associez, par exemple vous allez sur votre compte Fortnite, Epic Games, via votre PlayStation, vous achetez vos V-Bucks, enfin le club de Fortnite, vous recevez vos 1000 V-Bucks, vous les recevez sur PlayStation, vous ne pouvez pas les utiliser sur d'autres plateformes. Donc si vous l'achetez sur PC, vous ne pourrez pas utiliser vos V-Bucks, les 1000 V-Bucks qu'ils offrent sur PlayStation. Donc voilà, c'est propre à chaque plateforme. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Voilà, c'est ici. Ils disent que les packs du club et les objets qu'ils contiennent sont uniquement accessibles aux abonnés du club de Fortnite. Des objets précédemment publiés peuvent être proposés de nouveau aux membres du club à une date ultérieure. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si par exemple dans 6 mois, c'est possible que le pack, donc le skin que vous voyez là, soit reproposé dans 6 mois aux membres du club de Fortnite. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus encore ? Alors, autre chose aussi, c'est par exemple, si vous achetez le pass de combat de la saison 5 de Fortnite et après vous vous dites, oh, j'ai envie de m'acheter le club de Fortnite pour avoir le skin, eh bien, ils vous rembourseront 950 V-Bucks. Donc, juste ici, ils vous rembourseront 950 V-Bucks parce que vous avez acheté votre pass de combat et que vous êtes membre au club. Donc, logiquement, vous avez le pass de combat gratuit comme vous êtes membre du club et que vous l'avez déjà acheté au préalable avant de vous abonner au club. Eh bien, là, il vous remboursera le pass de combat que vous avez payé. Donc, il vous remboursera 950 V-Bucks. Autre chose aussi, vous pouvez aussi acheter le pass de combat avec les 25 niveaux. Mais là, il vous coûtera 1850 V-Bucks à la place de 2600 si vous achetez le pass de combat plus les 25 paliers. Voilà, ça, si vous faites partie du club, vous payerez 25 paliers gratuits pour 1850 V-Bucks. Voilà, ce sera une avance et vous pouvez l'acheter jusqu'au palier 75. Donc, dernière information, c'est que si vous voulez annuler votre abonnement au club de Fortnite, vous pourrez le faire, mais il faut vraiment le faire hein, parce que sinon, avant la fin de votre club, ou sinon, ce sera débité automatiquement.
mais vous pouvez le faire directement sur Fortnite, parce qu'apparemment il y aura un onglet club de Fortnite sur Fortnite. Donc je sais pas ce que ça va être, on verra bien le 2 décembre. Apparemment il y aura un onglet club de Fortnite et là vous pourrez annuler votre abonnement directement sur votre jeu. Et si vous annulez, bien entendu vous garderez vos V-Bucks, vos skins que vous avez débloqués, votre accès au pass de combat, etc., etc. Vous garderez tout ce que vous avez déjà débloqué pendant que vous étiez dans le club. Donc voilà, et chaque mois, bah, vous avez une nouvelle tenue. Donc bien sûr, ils l'annonceront sûrement sur Twitter, je vous tiendrai au courant de la tenue du deuxième mois du club de Fortnite. Mais là, ce mois-ci, c'est ce skin-là avec cette pioche et ce sac à dos. Donc voilà, pour 12€ par mois, vous pouvez avoir accès à plus de choses, voilà, plus de trucs sur Fortnite. Après, est-ce que c'est intéressant? Moi, personnellement, je pense que c'est intéressant pour le premier mois parce qu'en fait, vous allez avoir le pass de combat gratuit, plus le skin, plus 1000 V-Bucks, plus les 1000 V-Bucks qui donnent dans le pass de combat. Enfin, les 950 V-Bucks. Donc, je pense que le premier mois, ça peut être avantageux parce que ça fait 12€ à la place de 8€ du pass de combat. Donc, vous ajoutez 4€ supplémentaires, vous avez 1000 V-Bucks en plus et vous avez un skin pour 4€. Je pense que le premier mois de chaque saison sur Fortnite, c'est très avantageux. Après une saison de Fortnite, ça se passe sur 3-4 mois. S'il prolonge pas, c'est 4 mois, quoi. S'il prolonge pas, c'est 3 mois. S'il prolonge, c'est 4 mois. Donc, ça voudrait dire que le deuxième mois, bah, vous payez 12€ pour un skin et 1000 V-Bucks. Après, moi, je suis pas très cosmétique. Donc, faut voir le skin qu'ils offrent. La pioche, les mottes. Enfin, voilà. Bien souvent, ils vont essayer de bien vous ralasse en skin pour le club, mais faut voir un peu le skin. Mais bon, ça coûtera 12€ pour 1000 V-Bucks et un skin. Donc le skin coûtera plus ou moins 4€ quoi. Donc faut voir, ça dépend. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace de commentaires si jamais ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur hein, parce que ça me soutient énormément. C'est 3 lettres, c'est SCM. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.